Les informations suivantes concernent les filtres à eau avec des débits standards. Vérifiez que la cartouche du filtre est centrée dans la pompe de filtration. Avant de fermer la pompe, contrôlez que l'étanchéité du bouchon du filtre est à sa place. Fixez les tuyaux au filtre et serrez les brides des tuyaux. Remarque, certaines piscines Bestway sont fournies avec des brides métalliques pour les tuyaux. Serrez-les avec un tournevis. Raccordez ensuite les tuyaux à la piscine. Vérifiez que les lettres A et B des tuyaux correspondent à celles présentes sur le filtre et sur la piscine. Enlevez les bouchons d'obturation de l'intérieur. Cette opération permet d'acheminer l'eau jusqu'au filtre. Rangez les bouchons d'obturation dans un lieu sûr. Vous en aurez besoin pour l'entretien de la piscine et de la pompe. Placez la grille dans les vannes d'entrée et de sortie de la piscine. Quand les tuyaux et les grilles sont à leur place, serrez les brides des tuyaux. Pour finir, dévissez la purge à air et faites sortir l'air emprisonné dans le système. Votre pompe est prête à être utilisée, il ne vous reste plus qu'à la brancher. Attention, ne branchez pas votre filtre à une rallonge, cela pourrait causer un incendie susceptible de provoquer des dommages matériels. Attention, ne faites jamais fonctionner la pompe de filtration quand vous utilisez la piscine. Il est recommandé de nettoyer et d'entretenir votre pompe de filtration tous les 15 jours. Commencez par débrancher la pompe de filtration. Ensuite, remplacez les grilles par les bouchons d'obturation pour éviter que l'eau arrive jusqu'à la pompe de filtration. Enlevez la cartouche du filtre et rincez-la jusqu'à ce qu'elle soit propre. Il est recommandé de remplacer les cartouches du filtre tous les 15 jours. Adressez-vous au concessionnaire le plus proche pour obtenir des filtres Bestway de rechange. Remplacez la cartouche du filtre en vérifiant qu'elle est centrée. Contrôlez que l'étanchéité du bouchon du filtre est à sa place et fermez le filtre. Remplacez ensuite les bouchons d'obturation par les grilles, ce qui permet à l'eau d'arriver jusqu'au filtre, puis serrez les brides des tuyaux. Pour finir, dévissez la purge d'air pour faire sortir l'air emprisonné dans le système. Si vous avez des questions au sujet de nos produits, visitez notre site web. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.